10 000 ans avant l'ouverture de la Porte des Ténèbres. À la suite de la défaite contre Eldemort, les elfes furent obligés de battre en retraite. Après avoir réussi à se mettre à l'abri de leur base, ils se rendirent compte très vite qu'un des leurs manquait à l'appel. Mais où était donc passé Illidan? Certains pensaient qu'il était mort lors de l'attaque, mais d'autres affirmaient qu'il avait réussi à fuir et qu'ils réussiraient à retrouver les siens. Leur morale étant au plus bas, ils espéraient que celui-ci soit sain et sauf. Personne n'aurait imaginé qu'Illidan, ce talentueux sorcier, serait capable de les abandonner ou de les détester. Et pourtant, le sorcier avait pris cette décision, mais personne ne l'aurait soupçonné. La cause ? Malfurion était pour lui une ombre qui le rendait invisible aux yeux du monde. Il souhaitait partir en quête pour que tous reconnaissent enfin sa valeur et ne le considèrent plus comme le simple frère de Malfurion. Plusieurs raisons durant la guerre et même dans son passé le poussèrent à prendre une telle décision. Il y a des années, Illidan avait essayé de suivre la voie du druidisme, mais Illidan manquait de patience et ne réussit pas à perfectionner cet art. Son frère, lui pourtant, devint l'un des plus grands druides connus jusqu'à ce jour. Il abandonna donc le druidisme et se lança vers la magie des arcanes. Même durant la guerre, il donnait tout ce qu'il avait afin d'avoir la reconnaissance et d'être enfin considéré par les siens. Bien que sa détermination soit forte pour devenir le héros de son peuple et se hisser au-dessus de son frère, il était toujours dans l'ombre de Malfurion. Ceci le rendait déjà jaloux et envieux du succès de son frère. Mais un événement fut celui de trop, un événement qui assombrit encore plus son esprit. Illidan était fou amoureux d'une jeune elfe de la nuit nommée Tyrande Murmevant. Une elfe forte, belle et intelligente. Son cœur battait si fort quand il la croisait ou encore la regardait. Mais il lui fallait du courage pour enfin avoir la force de lui avouer ce qu'il ressentait. Ceci mit du temps, mais il décida que Tyrande devait savoir. Et s'il avait le courage de lui avouer ses sentiments, peut-être que pour une fois, il prendrait le dessus sur son frère, au moins une fois dans sa vie. Il décida donc que cette fois, il dira à Tyrande toute l'affection qu'il éprouvait pour elle. Tyrande, puis-je te parler d'un sujet que je souhaite aborder depuis un moment avec toi? Oui, dis-moi, je t'écoute. Je ressens des sentiments très forts pour toi. Je ne sais pas trop comment t'expliquer cela. Je suis à ton écoute, Illidan. Je t'aime et je t'ai toujours aimé. Depuis le premier jour où je t'ai vu, je souhaite que tu sois mienne. Veux-tu de moi? Une fois le pas franchi, il la regarda dans les yeux, espérant que celle-ci éprouverait les mêmes sentiments que lui. Illidan, écoute. Je t'apprécie beaucoup. Et je t'aime aussi, mais pas avec... Tu es comme un frère pour moi. Tu es aussi un confident. Mais je ne partage pas tes sentiments. En tout cas, je t'aime tout de même. Mais notre amour n'est pas réciproque. Ça
Cette réponse rendit Illidan fou de jalousie. Dans son esprit, il était persuadé que Tyrande aimait son frère Malfurion. Et le simple fait que les deux se regardent ou discutent simplement assombrissait l'esprit d'Illidan. Il se persuadait que la jeune elfe souhaitait que Malfurion devienne son compagnon. « Mais pourquoi, mon frère ?» se disait-il. « Qu'a-t-il de plus que moi ? Je suis invisible aux yeux du monde. Je suis moins important. Je suis juste Illidan, le frère du grand Malfurion. Même Tyrande ne veut pas de moi. » L'esprit d'Illidan devint de plus en plus aigri à cette idée. Cette faiblesse durant la guerre contre la Légion permit à Xavius, avant sa mort, de s'immiscer dans son esprit. Il avait réussi à ressentir ce désespoir et en profita pour assombrir encore plus l'esprit de l'elfe. Par la suite du rejet de Tyrande, rendant sa rancœur envers son frère encore plus forte. Ses pensées sombres le convainquirent que son frère Malfurion avait été le meilleur, le plus aimé. Illidan, lui, ne valait pas grand-chose à côté du grand Malfurion. Il était son frère, c'est tout. Ce malaise fit naître cette envie de déserter la résistance elfique. Il avait besoin de sortir de l'ombre de son frère. Il voulait acquérir un pouvoir qu'aucun elfe ne pouvait concevoir. Il voulait montrer à son frère que lui aussi serait capable de le surpasser. Et aussi de prouver aux autres qu'il était capable lui aussi d'effectuer de grandes choses. Il se lança dans sa quête de pouvoir. Une armée pouvait l'aider à atteindre son but. La Légion. Il perça furtivement les défenses de cette grande armée. Une fois les lignes percées, il s'adressa à un de leurs leaders, leur indiquant qu'il voulait avoir une audience auprès des hauts commandants de l'armée dévastatrice. Contre toute attente, Sargeras en personne le rencontra, afin d'entendre ce que l'elfe avait à offrir. Titan! Je viens te voir car j'ai une offre à te faire. Contre un grand pouvoir, je peux t'obtenir une relique à la fois forte et dévastatrice. Le titan l'écoutait avec intérêt. Quelle est ton offre, elfe ? Nous avons en notre possession une relique extrêmement puissante. Cette arme, créée par Neltharion, nommée l'âme des dragons. Elle a un potentiel énorme, capable de détruire des cités et de réduire à néant une puissante armée. Le titan fut intrigué par cette proposition. Avec cet objet, son ambition et sa soif de victoire seraient à portée de main. L'artefact serait un gros atout pour la Légion. Illidan, un elfe fort et envieux de force et de pouvoir, serait une aubaine pour la Légion. Avoir un élément aussi prometteur permettrait à Sargeras d'augmenter ses chances de victoire. Bien, elfe, j'accepte ta proposition. Pour que ta quête soit fructueuse, je te transfère un nouveau pouvoir. Approche. Illidan approcha et ressentit des picotements. L'obtention de cette force n'était pas sans contrainte. Le corps d'Illidan subit un coup relativement lourd. Hurlant de douleur, des balafres apparurent sur son corps, faisant apparaître un tatouage rayonnant d'énergie gangrenée. Ses yeux se mirent à brûler pour laisser la place à un feu surnaturel de couleur verte, appelé Fiel. Illidan poussa des cris de douleur et d'agonie. La douleur était tellement forte. Qu'avait-il fait ? Allait-il mourir de ce mal insoutenable ? Une fois celle-ci passée, il ressentit une force courir dans ses veines. Une sensation de puissance le fit frissonner, de plaisir. Il avait enfin atteint son but. De nouveaux pouvoirs puissants étaient à sa portée. Enivrant son corps,
Ses yeux lui permirent maintenant de voir les différentes formes de magie. Enfin, il ressentait la puissance dans tout son être. Maintenant, mes yeux aveugles voient ce que les autres ne voient pas. C'est parfois nécessaire de forcer la main du destin. Le titan avait tenu parole. Maintenant, à lui de tenir la sienne et de rapporter la puissance promise aux forces ennemies. À toi maintenant de me servir. Va me chercher la relique et remets-la au bien-né. Ils sauront comment s'en servir. Illidan partit alors dans la quête pour aller dérober l'âme des dragons, qui était maintenant entre les griffes du dragon fou nommé Eldemort. Dans son antre, l'aspect dragon empli de folie était en train de réparer son corps meurtri, recouvert de crevasses et de lave. Il s'installait des boulons et des plaques d'adamantium tout le long de sa colonne vertébrale et sur ses flancs. Furtivement, Illidan réussit à dérober l'artefact. Eldemort, souffrant et hurlant, ne réussit pas à en empêcher le jeune elfe. Sa quête avait abouti. Il avait réussi à dérober la relique. Elle était entre ses mains. Sa quête étant maintenant accomplie, il tint parole et apporta la relique au bien-né, afin qu'il s'en serve immédiatement dans la phase suivante de leur plan. Elle allait en effet se révéler indispensable pour créer un gigantesque portail au cœur du puits de l'éternité, afin de faire passer Sargeras dans le monde d'Azeroth. Illidan se persuadait que sa cause était bonne. Pour lui, cela permettrait de mieux comprendre et d'appréhender les démons. Plus tard, devant ses anciens compagnons, il prétendra que sa quête était motivée par une noble cause. Sa trahison lui avait permis d'en apprendre plus sur leur ennemi et de mieux comprendre comment les détruire. Mais sa quête inconsidérée de grandeur auprès de la résistance elfique ne serait pas comprise et serait considérée comme une trahison. Son action allait le hanter comme un spectre, ternissant à jamais sa réputation auprès de ses anciens alliés. Il serait maintenant appelé Illidan le traître. Et oui, c'est déjà la fin. N'hésite pas à t'abonner pour avoir d'autres histoires. En attendant, tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont en description. N'hésite pas à t'abonner et appuyer sur le petit pouce bleu. Allez, salut, à bientôt.